Tout c'est bienvenue dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment dessiner Jack Sparrow. Dans un premier temps, on va dessiner la forme du visage. Donc le rond qui fait 4 carrés au total. Voilà, donc avec la ligne de proportion de 2 cm par 2 cm. Voilà, donc on vient dessiner la forme globale du visage. Ensuite, on va venir dessiner l'intérieur, donc la bouche, le nez très simplement. Et ensuite les yeux, donc repérez bien par rapport à la grille, la petite moustache. Voilà. La barbe. Donc les yeux vont partir, c'est des gros yeux. Ensuite, on va faire le bandeau qui va se trouver juste sous le chapeau. On va dessiner maintenant le chapeau qui va partir derrière le bandeau. Donc pareil, on va faire un chapeau assez grand. Ensuite, les cheveux, donc on va dessiner les dreads un peu partout, de chaque côté. On va faire la forme globale du personnage avec un pied qui va être sur un coffre. Donc un pied levé avec le genou plié. Voilà les dreads un peu partout, assez simplement. Le bandeau arrière. Voilà, ensuite on va dessiner le bras qui va tenir l'épée. La veste au-dessus du corps, donc voilà la veste ouverte. Donc dessiner globalement, ensuite venir rajouter tous les petits détails. Voilà, gommer si les traits ne vous plaisent pas pour les reprendre. Voilà, faites la forme globale de la main avant de dessiner les doigts. Ensuite, on va venir lui faire l'épée. Voilà, pour les bottes également, on va très simplement, on va pas faire des gros gros détails, le pli de la botte sur le dessus et la botte qui est en dessous. Voilà. Ensuite, on vient dessiner la forme du coffre. Rajouter quelques détails, donc pour agrandir un peu la chevelure, on va lui faire descendre des dreads un peu plus bas. Ensuite, les quelques détails sur la veste, sur le t-shirt, donc avec la ceinture.
Voilà, ensuite on passe à l'ancrage, donc avec un liner de 0,3 mm. Donc n'hésitez pas à rajouter tous les détails à ce moment-là pour bien peaufiner notre dessin. Ensuite, pour la couleur, j'ai utilisé des feutres alcool, donc toujours pareil, avec un petit dégradé du plus foncé au plus clair. Et voilà pour le dessin, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao!